Mes paroles sont esprit. Et là, ton esprit est renouvelé. Tu commences à voir des songes. Tu commences à voir des visions. Tu commences à voir la prophétie, les dons de l'esprit. Ma parole, mes paroles sont aussi vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie de Dieu. C'est Galates 5, 22. La paix, la joie, tout ça là, l'amour. L'amour de la vérité, l'amour pour la vérité. Ça touche ton âme. La vie, là, l'aspect de la vie touche ton âme. L'esprit, la parole esprit touche ton esprit humain. La parole, n'est-ce pas, vie, touche ton âme. Parce que l'âme, c'est le siège de la volonté, de la personnalité. L'âme, c'est la vie matérielle. Et la parole de Dieu vit. La vie de Dieu vient prendre place dans ton âme. Tu commences à produire Galates 5, 22. Il dit, Yeshua, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les gens vont commencer à voir, mais cette soeur, sa vie a changé. Ce frère, mais sa vie a changé. Il ne va plus en boîte de nuit. Il ne trompe plus sa femme. Elle ne trompe plus son mari. Elle n'est plus ici et là, en train de courir après les hommes. Elle a une autre vie. La parole vit. Et la parole de Dieu, Apocalypse 19, 13 à 12 à 13, la parole de Dieu est le nom de Yeshua. Son nom est la parole de Dieu. En mon nom, c'est-à-dire littéralement, avec ma parole. Alléluia. Regardez, tu peux prononcer religieusement comme ça le nom de Jésus, c'est pas pour autant que les démons vont sortir. Vous vous rappelez des sept fils de Séva dans Actes 19. Ils ont dit aux démons, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, est-ce que les démons sont sortis? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu en eux. Les démons que vous voyez sortir ici, les miracles que vous voyez se produire ici, ce n'est pas moi, je ne suis pour rien. C'est la parole de Dieu. En mon nom, c'est-à-dire selon ma parole. Quand vous avez Dieu avec vous, la parole avec vos frères, je vous assure, vous devenez plus dangereux que les magiciens. Quand vous libérez une parole, ça peut faire des dégâts. La parole. Donc quand Moïse a été envoyé avec cette parole, il y avait ces aspects-là. Et comment voulez-vous que les magiciens de Pharaon puissent tenir devant lui? Impossible. Qui veut de la parole de Dieu? D'un cœur au corps. Les gens qui veulent le baptême, qui veulent se convertir, venez. On acclame le Seigneur pour leur vie, mes amis, c'est beau. Gloire à Dieu. Oh, c'est magnifique. Regardez l'œuvre de Dieu, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Dieu est bon. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, frère et soeur. C'est beau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant. Oh, c'est beau. Regardez l'œuvre. Avancez par ici. Venez. Ah, les enfants qui sortent en même temps. Merci. Oh, Dieu d'Israël. Viens, je viens, viens, viens m'écouter. Venez, viens m'écouter là. Allez-y. Suivre Jésus-Christ. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et toi, quel âge as-tu? 11 ans. Et tu veux suivre Jésus? Waouh, waouh. Et toi? 27 ans. 27 ans. Tu veux suivre Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Magnifique. Le Seigneur est magnifique.
Oh, il t'aime le Père. Le Père va essuyer des larmes. Il me dit de te dire qu'il est ton Père. Ce Père que tu attends, alléluia, que tu veux, ce Père de gloire, il va sauver ta famille. Le Seigneur dit de dire, il ouvre de l'intelligence pour les études au nom de Yeshua. Oh, alléluia, magnifique, magnifique, magnifique. Quel âge as-tu? 14 ans. Et tu es sous Jésus-Christ. Et toi? 10 ans. Et toi, mon grand? 11 ans. Alléluia. Waouh, c'est beau. Alléluia. Waouh. C'est la première fois que tu viens? Oui, oui. Comment tu nous as connus? Par internet. Par internet. Waouh, magnifique, le Seigneur. Et toi, jeune fille? Comment tu nous as connus? Par ma tante. Ma tante. Waouh. Regardez tout ce monde, frères et sœurs. Mes amis, c'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour l'œuvre qu'il opère, frères et sœurs, au sein de son peuple? Waouh. Il se passe des choses. Mes amis, prions pour eux. Prions pour eux, frères. Qu'ils soient remplis de Dieu. Qu'ils soient remplis de son esprit. Qu'ils soient remplis de son feu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Magnifique le Seigneur. Magnifique. Oh, que la grâce. Oh, que Dieu vous remplisse de son onction. Qu'il vous accorde les dons de l'esprit. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Que les démons lâchent. Certains d'entre vous ici, il y en a qui vont être délivrés de la mort ici, dans le nom de Yeshua. Que la mort te quitte, sors de ce corps, l'esprit de mort que je vois là. Tu vas quitter ce corps maintenant, tu vas t'en aller et tu ne vas plus revenir dans cette vie. Cette personne ne veut plus de toi. Voilà, quitte-la. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Magnifique le Seigneur. Waouh, waouh, magnifique. Préparez l'eau là-bas, s'il vous plaît, comme d'habitude. Waouh. Aurélie, tu veux bien aller baptiser les sœurs? Vous pouvez y aller, les femmes, les deux. Gloire à Dieu. Baptiser, suivez Philippe, tu peux lever ta main là-bas, qui est là-bas, allez suivez Philippe, on va aller vous baptiser, on acclame le Seigneur pour leur vie, c'est beau frères et sœurs, c'est magnifique, Dieu nous console, waouh, mes amis, ne vous inquiétez pas, si vous êtes malade, Dieu vous guérit, à la sortie de l'eau là, toutes vos maladies vont rester là. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, c'est magnifique. Oh, donne-moi ta main encore, donne-moi ta main. Dieu l'aime encore, Dieu l'aime. Oh, alléluia. C'est beau. Toi, tu vas beaucoup voyager, jeune fille. Tu vas beaucoup voyager. Apprends davantage l'anglais. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Tu es une perle pour le Seigneur. Ne laisse aucun homme te toucher. Au nom de Yeshua. Waouh. Apprends à jouer d'un instrument. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Jesus Christ. Jesus Christ. Waouh. Alléluia. Alléluia. Oh. T'as invité aujourd'hui. Dieu t'aime, tu sais. Toutes tes blessures, Dieu les enlève. Pour te purifier de tous tes péchés. Tu vas beaucoup aider les gens, tu vas beaucoup aider les autres.
Son cœur de l'amour du Père. Je ne connais pas sa relation avec son Père, mais Dieu me dit qu'il est son Père. Dieu voit sa souffrance. Dieu te dit, ma fille, je t'aime, je ne t'abandonnerai pas, je te connais, c'est moi qui t'ai invité ici. Tu souffres beaucoup par rapport à ta famille aussi. Le Seigneur guérit ta famille. Il y a la guérison qui arrive, il y a la restauration qui arrive. Le Seigneur guérit les malades. Le Seigneur brise la puissance de la maladie. Le Seigneur te dit, femme, je t'aime. Je vois par où tu es passé. Je t'aime, ma fille. Et je te guéris. Jesus. Oh, il y a une onction de miracle. Les démons s'en vont. Au nom de... Le démon. Son démon s'en va. On acclame Jésus de Nazareth.